tous, bonjour tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, et vous avez pu le voir avec ce magnifique Classe 460 Arion. Et oui, aujourd'hui on va faire une vidéo en IRL. On va vous présenter un peu le matériel qu'ils ont dans nos montagnes de Savoie. Puisque je suis actuellement en vacances pour information. Nous sommes actuellement le 13 juillet où je tourne cette vidéo. Bon, le temps que je rentre et que je la monte, vous la verrez un peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, du beau matériel, on va faire le tour. En tout cas, voilà, il sort des foins, il est tout récent. On verra peut-être après aussi un Massey Ferguson. Je vous le montrerai un peu plus, excusez-moi si vous entendez le vent derrière. Ça souffle pas mal ce soir. Voilà, en tout cas, donc nous avons ce magnifique Classe avec une cabine panoramique. Je vous montrerai l'intérieur juste après, avec des magnifiques feux, des clignotants. Il est tout récent, pour information, bien sûr, voilà. Donc, on va faire un peu le tour comme ça. On va faire le tour, puis après on retournera de l'autre côté pour voir ce qu'il a derrière. Vous le savez pas encore, vous allez vite le découvrir. Voilà, donc, avec là le petit bouchon pour mettre de la déglou. Il me semble que c'est ça. Bref. Et voilà donc le magnifique cockpit. On va le voir de l'autre côté avec les joysticks. On se retrouve tout de suite de l'autre côté pour voir les pneus, etc. Donc on se retrouve pour la fin et la deuxième partie, si on peut le dire, de cette vidéo IRL. Et on va voir un peu plus les pneus. Alors ça, c'est des pneus tailbore. Excusez-moi pour ma prononciation, Telborg, si c'est un peu mieux. Alors c'est des TM800, c'est les pneus avant ceux-là, alors ils sont assez petits quand même. C'est des R28, 480x65, c'est la taille. Et là derrière, nous avons des magnifiques trailboard que je vais y arriver. TM800 toujours, mais par taille 600x65. R38, voilà, c'est assez immense. Et là nous avons la cabine panoramique, donc que je vous parlais, excusez-moi pour les reflets mais j'y peux rien, avec le joystick, les manettes et tout, etc. L'intérieur qui est bien, le Classe, excusez-moi, je peux pas monter, j'ai pas demandé à tout simplement l'agriculteur et je le connais pas. Et voilà donc les gyrophares LED tout récent et l'arrière du tracteur. Bref, maintenant on va passer un peu à l'arrière, on va passer par la prise de force, etc. Et là, nous avons un magnifique endaineur Classe. Voilà, avec sur chaque bras, si on peut appeler ça des bras, 4 paires de fourches, ça dépend comment vous les appelez, de piques, comme on voudra, ce que je appelle ça. C'est ce qui est là, comme ça, on voit là, comme ça. En tout cas, c'est assez beau. On voit qu'il reste encore du foin. Il a servi pour le foin. Il vient juste de rentrer là, tout chaud à la ferme. C'est un endaineur Classe Liner 2800. Voilà. En tout cas, c'est assez magnifique. Et pour conclure ce vlog, on va aller voir un petit massé, une petite vue d'ensemble toujours. Et on se retrouve tout de suite. Excusez-moi pour la musique de fond. Voilà, donc on se retrouve juste avant d'aller voir le massé. Et regardez, c'est du matériel montagnard, tout cela, le petit Classe, etc. Je suis juste derrière. En tout cas, ça fait plaisir. Et voilà, donc, cette magnifique montagne. Allez, on passe tout de suite au massé que vous attendez. Une ferme qui produit des vaches, alors laitières ou pour la viande, je sais pas. Je ne saurais pas. Voilà, donc nous avons un vieux, entre guillemets, avec une masse à l'avant. 3075 Massey Ferguson Dyna Switch électronique. Du beau matos avec un gyrophare et une tonne à eau à l'arrière. Voilà, donc c'était ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo IRL. En tout cas, j'espère qu'elle vous avait fait plaisir. C'était Thomas Multigaming. On va se laisser sur ces magnifiques plans. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo. Ou très bientôt, en tout cas. C'était Thomas Multigaming, cette vidéo a été parrainée par les radios. Ciao, ciao!